Binge audio. Retour aux années 2000. Paris Hilton règne en maître. L'héritière multimilliardaire incarne une décennie marquée par George W. Bush, les bandanas et le mauvais goût. Avec Lindsay Lohan et Britney Spears, elle forme la Sainte Trinité. Pour tout le monde, Paris est une blonde idiote et ultra privilégiée qui se sert du système pour exister. Sa sextape, un coup orchestré pour devenir populaire. Son physique Barbie, la preuve de sa bêtise. Ses déclarations à côté de la plaque dans sa télé-réalité The Simple Life, l'incarnation de son ignorance. Et si, au fond, on s'était tous trompés? Connaissez-vous l'histoire de Paris Hilton? Moi, je pensais, mais en fait, pas du tout. Je suis Juliette Livartowski et je vais vous la raconter. La petite Paris naît le 17 février 1981, dans une bulle dorée. Elle s'appelle Hilton, comme la chaîne hôtelière fondée par son arrière-grand-père, Conrad Hilton. Son enfance, elle la passe sous les lustres en cristal du Waldorf Astoria, hôtel mythique de New York. Son père, Richard Hilton, est un businessman. Sa mère, Kathy Hilton, une ancienne actrice. La dynastie est puissante. Gamine, Paris monte sur les genoux de Lionel Richie ou de Michael Jackson, loin de se douter qu'elle deviendra, elle aussi, une icône. En attendant, Paris veut être vétérinaire. Elle achète des singes, des chèvres. Un jour, un serpent s'échappe même de sa cage, préférant une balade dans les couloirs feutrés. Quand elle n'est pas avec ses animaux, Paris est coincée au cours de bienséance. L'éducation est stricte. Sa sœur Nikki décrit un quotidien marqué par les interdits. On avait le droit de rien faire, pas de copains, pas de maquillage, rien du tout. Après une scolarité à Los Angeles, retour à New York en 1996. À 15 ans, l'adolescente rencontre le monde de la nuit. Et là, c'est le coup de foudre. Le champagne hors de prix coule à flot, au risque de ternir la marque Hilton, écrite sur plus de 7000 établissements hôteliers à travers le monde. Ses parents interviennent. La jeune fille est envoyée dans des centres de développement aux allures de camps militaires. Le travail manuel remplit ses journées. En fond sonore, on entend les réprimandes des moniteurs sévères. À chaque fois, Paris tente de s'échapper. Souvent, elle réussit. Jusqu'à son enlèvement, à l'âge de 17 ans, commandité par ses parents. Dans la nuit new-yorkaise, une voiture glisse sur l'asphalte. Des individus s'introduisent dans la chambre de Paris. L'ado crie à l'aide. Ses hurlements réveillent Nikki qui dort à côté. Les deux sœurs ne savent pas ce qu'il se passe. Quelques secondes après, la porte d'entrée claque. Le lendemain matin, Paris ne sera pas à la table du petit déjeuner. La jeune fille est emmenée à la Provo Canyon School dans l'Utah, une école de redressement pour enfants riches et difficiles. À l'intérieur, des jeunes maltraités et sujets à des tâches humiliantes. Assis sur une chaise, Paris et ses camarades peuvent rester une journée entière à fixer un mur. Parfois, les gardiens les battent ou leur hurlent dessus. Pire, certains membres du personnel la scrutent nue sous la douche. Tous les jours, des médicaments sont servis aux ados. Paris se sent fatiguée et engourdie. Un jour, elle cache l'une de ses pilules colorées dans un Kleenex et se fait prendre. En guise de punition, elle est placée à l'isolement à moitié nue pendant 20 heures d'affilée. Et ça, ce n'est qu'un aperçu d'une partie des violences physiques et psychologiques qu'elle et ses camarades ont subies. Cela durera 11 mois pour Paris. À sa sortie, elle a 18 ans et une seule idée en tête, devenir une superstar. Cheveux blonds peroxydés, corps longiligne et jean taille basse vertigineux, la silhouette de Paris Hilton défile sur les podiums. À peine majeure,
elle signe un contrat de mannequin dans l'agence de Donald Trump. Le mania de l'immobilier est un ami longue date du clan Hilton, ce qui facilite son insertion dans le milieu de la mode. Guess, Dior ou Puma se l'arrachent. Une photo l'a fait exploser. Celle de David LaChapelle, prise en 2000 dans la maison de la grand-mère Hilton. Top rose en rési et mini-jupe en sky, Paris Hilton fait un doigt d'honneur sur fond de décoration guindée. L'héritière s'amuse des contrastes. C'est pour ça qu'elle fascine. On lui demande de jouer les épouses discrètes ? Elle répond en jurant et en s'habillant la plus sexy possible. Elle n'oublie pas ce qu'elle s'est promise adolescente. Être libre. 3 ans plus tard, le nom de Paris Hilton est dans tous les tabloïds américains. Comme ce matin du 12 novembre 2003. Dans le couloir de l'hôtel new-yorkais où résident les Hilton, sa sœur retourne la couverture de chaque journal. La sextape de sa sœur fait la une. C'est son ex-copain, Rick Salomon, qui la diffuse sans son consentement. Paris a 20 ans et l'Amérique a les yeux rivés sur cette vidéo de mauvaise qualité prise dans l'obscurité. Dans le New York Daily News, on peut lire « Dernière nouvelle sur ses ébats sexuels sur cassette ». Comme si sa vie intime était d'ordre public. Dans le Saturday Night Live, le présentateur Jimmy Fallon s'amuse. So your family, I don't know if a lot of people know, the Hiltons own hotels all over the world, right? Yes, they're New York, London, Paris. Oh, wait, so there it actually is a Paris Hilton? Il y a un hôtel Hilton à Paris? Yes, there is. Is it hard to get into the Paris Hilton? Est-ce qu'il est compliqué d'entrer dans le Paris Hilton? L'influenceuse joue le jeu. It's a very exclusive hotel. C'est un hôtel très exclusif. No matter what you've heard. I hear the Paris Hilton is very beautiful. Mais le slut-shaming est en marche. Dans ce brouhaha misogyne, la voix de Paris est presque inaudible. C'était comme un viol numérique, dira-t-elle plus tard. Dans la société patriarcale des années 2000, une sextape fait grimper la popularité des femmes qui en sont victimes. Et Paris Hilton n'échappe pas à la règle. En 2003, elle participe à The Simple Life, qui la propulse vers une notoriété d'envergure. So are you ladies ready for this? We're so ready. As ready as I'll ever be. Le concept de l'émission, deux héritières hollywoodiennes, ici Paris Hilton et son acolyte Nicole Richie, sont envoyées dans l'Arkansas. Des barbiers roses qui mettent leurs mains manucurées dans le fumier, les Américains adorent. Meet Paris Hilton, model, jet setter, target of the tabloids, and heir to the $360 million Hilton fortune. Oh my God! Les deux idoles se comportent exactement comme on l'espère, avec mépris et dédain. Paris Hilton joue sa partition à merveille. Parmi les scènes cultes, celle où l'héritière demande ce qu'est Walmart, un magasin de grande distribution. I don't what know. Is Walmart? Is it like they sell wall stuff? No. What is it? L'Amérique éclate de rire. Pauvre versus riche, un combat qui fascine toujours à l'écran. Bikini triangle doré, mini short échancré. Paris Hilton mise sur une hyper-féminité presque caricaturale. Un corps sur lequel on fantasme ou qu'on critique. Aux côtés de Lindsay Lohan et Britney Spears, la hit girl pilote les tendances. Mais aux yeux des médias, Paris n'est plus qu'une poupée Barbie dont on attend les prochaines frasques. Pour pousser le côté personnage de fiction, Paris Hilton rend sa voix plus nasillarde. Elle ira jusqu'à se définir comme une marque qui danse, chante, joue, défile comme mannequin. Alors que son image rapporte jusqu'à 1 million de dollars au paparazzi, elle apprend à jouer avec, quitte à retourner son appareil photo pour faire les premiers selfies. Les hit girls deviennent des influenceuses. Mais sa mauvaise réputation la suit. La preuve avec un épisode de la série d'animation South Park, sorti en décembre 2004. Testing, hello. Okay, welcome everyone. The South Park Chamber of Commerce is pleased to bring you the first annual Who is the biggest showdown. On y voit Paris Hilton participer au concours de la plus grosse traînée. Not quite sure how we start this competition off, but I'll show you how we start it off. Back off! None of you
losers are enough for me. Le scénario va même plus loin. Pour gagner, la jeune femme s'enfonce un ananas dans le vagin. Ta-da! Oh no, she didn't. La violence des critiques va de pair avec sa célébrité. Entre 2006 et 2008, elle est la personnalité la plus recherchée sur Google. C'est aussi le moment de se démêler avec la justice. En septembre 2006, elle est arrêtée pour conduite en état d'ivresse. Sa condamnation, 3 ans de mise à l'épreuve et la suspension de son permis. Mais quelques mois plus tard, la jeune femme est retrouvée au volant de sa Bentley sur Sunset Boulevard. Elle roule trop vite et ses phares ne sont pas allumés. 3 mois plus tard, Paris est condamné à une peine de 45 jours de prison pour avoir violé les termes de sa mise à l'épreuve. Juste avant d'être incarcérée, la chanteuse participe aux MTV Music Awards où elle défend son titre, Stars Are Blind. Sur scène, la comédienne Sarah Silverman ne l'épargne pas. Paris Hilton is going to jail. Paris Hilton va en prison. Il paraît que pour qu'elle se sente plus confortable, les gazins vont peindre les barreaux pour qu'ils ressemblent à des pénis. J'espère qu'elle ne va pas se casser les dents dessus. Paris Hilton admet après. J'essayais de ne pas pleurer, les larmes aux yeux. Je voulais m'enfuir de la salle. Tout le monde riait et elle ne s'arrêtait pas. 15 ans plus tard, Sarah Silverman s'excusera auprès de Paris Hilton. Puis les flashs s'éteignent. Les années 2010 marquent la fin du règne de Paris Hilton. D'autres influenceuses lui volent la vedette. Son ex-assistante, Kim Kardashian, en tête. Ce n'est pas une traversée du désert, c'est pire. Paris est has-been. Et ses propos homophobes ou racistes l'achèvent aux yeux de l'opinion publique. Elle s'excuse, mais le mal est fait. En 2011, un sondage réalisé par Ipsos pour l'agence Reuters la désigne comme la personnalité la plus détestée des Américains. On ne dit plus « I love Paris » jusqu'au retour en grâce des années 2000. 20 ans plus tard, les bimbos comme Pamela Anderson ou Britney Spears ne sont plus considérés comme des poupées écervelées, mais des businesswomen qui ont capitalisé sur les codes sexistes. Elles se voient offrir une seconde vie. Même le milieu de la mode mise sur l'image de ces starlettes devenues des icônes. Robe rose poudrée, long carré blond. En 2020, Paris est l'égérie du parfum Lanvin. 2 ans plus tard, c'est Versace qui la fera monter sur son podium, puis Mugler. En 2023 dans Glamour, elle raconte « Je ne suis pas une blonde stupide, je sais juste très bien le faire. » Alors que les stéréotypes évoluent, Paris ne joue plus les robots. L'influenceuse a changé. Du moins, c'est le message qu'elle fait passer avec son documentaire « This is Paris » sorti en 2021 sur YouTube. Dans son manoir de 1300 m² à Beverly Hills, sa voix semble plus grave et son discours moins fake. Paris parle de son passé sombre et de la misogynie qu'elle a subie. Paris a parfois du mal à trouver le sommeil. La faute à ses cauchemars liés au traumatisme de son enfance. Elle participe à la campagne Breaking Code Silence pour alerter sur les sévices subis au sein de son pensionnat. Elle se confie aussi dans son autobiographie, The Memoirs, parue en 2023. Mon livre a pour but de montrer une femme qui a grandi avec d'incroyables privilèges, tout en étant piégée dans un monde dans lequel humilier une jeune femme en public était un sport national. Et si on lui devait des excuses ?